Oh, ça a mis 4 heures, ça a mis 4 heures, mais tout est rangé, j'ai rajouté un peu des armoires, voilà, tout le stuff est à sa place, c'est nickel, regardez-moi ça, c'est super bien. Alors, je vais vous montrer un truc maintenant, l'intérêt des schémas. Regardez donc, centre d'usinage, parce qu'il va quand même falloir passer à l'âge industriel et technologique. Donc, centre d'usinage, je ne l'ai pas appris. Donc, je vais dans l'atelier, centre d'usinage, voilà, je peux pas le faire. Je peux pas le faire, mais si, comme je vous le dis, on va chercher les drops et qu'on arrive à trouver le schéma du centre d'usinage, on n'a pas besoin de dépenser ses points d'engrammes et on peut tout simplement le faire. Par contre, il va falloir les matières premières. Voilà. Et là, je peux le faire. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Et ça, ça va nous aider pour beaucoup de choses. Alors, centre d'usinage, je le prends. Ensuite, ici, et oui, on prévoit tout. J'ai déjà de l'essence, c'est nickel. Et ouais, attendez, oh, vous croyez quoi là? Vous croyez quoi? Voilà. Très bien, centre d'usinage, on met l'essence, super. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Pour l'instant, rien du tout, j'ai rien appris. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, je sais. C'est bon. C'est revenu. La mémoire. Un coffre-fort. Donc du coup, 100 de ciment, 500 de métal, 90 de polymère, 70 de pétrole. Et on a un coffre-fort dans lequel, eh ben, ça sera compliqué de piller parce qu'il va falloir le casser. Et je pense que pour casser ça, ben, il en faut. Hein. Il a combien de vie? Il a 50 000 PV, hein, quand même. Alors est-ce que si je le mets là, ça dépasse? On va aller voir, parce que si ça dépasse, bah le mec il se dit, ah ouais, what? Le world back. Le mec il se dit, ouais, bon bah écoutez, je vais prendre 90 000 grenades, et on va le péter. Parce qu'il sait déjà qu'il y a un coffre-fort. Donc il faut à tout prix pas que ça dépasse. Alors, coffre-fort. Coffre-fort. On le voit pas, hein. On le voit absolument pas. C'est très bien tout ça. Super. Ensuite, ce que j'aimerais, ça serait... Non, cassez-vous. Arc. Un arc. Arc, s'il te plaît. Mais donne-moi l'arc. Arc à poulie. Ça, je pense que c'est fort. Hein. Bon, flèche en métal, hein. Direct. Arc à poulie, centre d'usinage. D'accord. Ok. Alors, arme. Arc à poulie, super, on va se faire ça. Et les flèches, est-ce que ça coûte cher? Branchage, fibre, polymère. Ah ouais, ça coûte super cher. Super cher quoi, c'est abusé. Allez, pour des flèches quoi. Alors, ok, flèche. Manque quoi, fibre? Fibre, il va falloir que je me fasse un stock parce que j'en ai plus. Hein. Fibre, tac. On va aller le tester direct. On va tester cet arc. Sur de la bestiole. Bon, un coup. Megatherium. Level 85. Vas-y, hein. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça a l'air de partir beaucoup plus loin. Par contre, ça court vite ce truc. What? Ouais, par contre, je suis à poil. Hein. J'ai plus d'armure. Ouais, il m'a défoncé quoi. What? Non! J'ai fait une connerie! Mais il court trop vite! Mais il court trop vite! C'est abusé! Holy shit! Bon, le Megatherium, au moins je le sais, faut pas l'attaquer. Faut pas l'attaquer, le con. Mais on va se venger quand même, il veut quoi en fait? Cours! Il va me défoncer. Encore. Non, le Fego Max Tax, lâche-moi. Bon, ça m'a l'air quand même pas mal efficace cet arc. Après, le problème, c'est que la bestiole qui me court après est très très rapide. Mais bon, ça passe. Pousse. Il y a un truc. Quoi? Mais pourquoi il était doré? Pourquoi il brillait?
Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est bon. Au bout d'un moment, en fait, le Megatarium, plus tu lui mets de dégâts, plus il frappe fort. Donc ouais, c'est pas facile. Toi, tu dégages. Du coup, toi, tu reviens là, tu vas là-bas. Bon, bref. Ça a l'air de faire des dégâts. C'est beaucoup plus solide, surtout qu'un arc... qu'un arc en bois, hein. Parce que là, j'ai tiré quand même pas mal de flèches. Et il est pas cassé. Mais on va aller tester ça sur autre chose, du coup. On va voir. Combat contre des ours, j'en fais souvent. C'est comme ça, moi. L'ours. Non. Eh, rend pas fou. Rendez-moi mes flèches. En plus, on peut les récupérer, ça c'est vraiment bien. Alors, l'ours, c'est-il level combien, l'ours? 130, ouais, c'est quand même un gros level. Allez, vas-y, t'es mort. Par contre, je me mets à courir un peu trop tard à chaque fois. Non, en vrai, c'est super efficace. C'est super efficace. On peut le spammer de flèches. Ah ouais, mais il est déjà crevé, quoi. Ah ouais, bon, trop bien. Donne-moi tout. Donne-moi toutes mes flèches. Trop bien l'arc. Toi, t'es mort. Ça touche de super loin en plus. Et vraiment, on est bien là. On est vraiment bien avec ce truc là. Vas-y, mange-toi ça, toi. Tu veux quoi en fait, le paresseur? Voilà, prends ça dans ta gueule. Et ouais, je peux tout spam. C'est ça le principe de l'arc. Paf, 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 nulos. Par contre, il est solide lui, hein. Oh. Tu vas où? Tu fuis le combat. Allez, ça dégage en fait. Donne-moi mes flèches. Donne-moi mes flèches. J'avais pas récupéré mes flèches. Je suis très content. Très content de cette nouvelle acquisition. Ça m'a l'air très fort. Bam, allez, ça part. Ma flèche. Ça perd. Crée une dégaine avec ça. Crée une dégaine. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis très content de ce qui s'est passé, ça s'est bien passé, on a réussi à raid, on a réussi à faire une giga expédition, on a step up de ouf. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ranger tout ce qu'il y a dans la base, essayer de checker les engrammes, ce que je peux faire. Je vais faire tout ça, déjà, ça sera pas mal. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, moi, toujours pareil, un vrai bonheur. N'hésitez pas à mettre le petit like, hein, toujours le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait plaisir aussi. What? Qu'est-ce qui se trame? C'est des fous. Sur ce, j'ai qu'un truc à dire. Tchuss tout le monde.